au clair de la lune à Cri-Cri. Ce soir, chez le roi Cri-Cri Salsa 6, les habitants étaient en plein préparatif pour la fête des champs. Je fus invité à faire ma modeste présentation. Les gens voulaient écouter un poème venant directement de ma bouche. Alors, je décidai en ces termes. Après un petit silence, je m'envolai d'abord dans une petite aventure de mots sans mots pour vaincre et convaincre les sages. Il me fallait remuer et lier les pensées comme des perles. Il me fallait faire attention pour ne pas créer de confusion entre mes sages et mes ententes. Ces drames oratoires qui donnent parfois des doutes et des malentendus. Pour en faire le fer du fond de cette fondation, de l'idée que cela peut engendrer, en poursuivant ces chevaux qui vont dans les vents où on double sans doute les chances des chats qui chassent chaque jour avec sourire les souris égarées. Je suis ou poursuis parfois ma foi sans toutefois attendre que tout soit froid avant de sortir ma voix sur ces voies du bois où tout va droit sans droit. Alors, on montre du doigt ses droits sans loi qu'on se donne sans don. Sur ces cadres qui cachent les voix des hommes de droit, je vois moi qui suis un peu plus exigeant dans les principes, les principales ressources qui produisent le goût au fond du temps. Au fond des tentes de Cri-Cri qui tendent à cacher les toiles des toilettes de cette ville de Niédié. Alors, je finis sur ce point qui pointe ensemble, sans sable, très loin du